Philippe Clotary, quand on pense à vous, on pense bien sûr à l'Anti-Oedipe que vous avez écrit avec Gilles Deleuze, à Mille Plateaux que vous avez écrit avec Gilles Deleuze. Vous êtes à la tête vous-même d'une œuvre considérable, La Révolution moléculaire, Les années d'hiver 80-85, Les trois écologies, et puis récemment ce travail intéressant sur la schizoanalytique. Alors je voudrais vous poser comme première question, au fond, un mot que dit de vous, qu'a dit de vous un jour Jean-Pierre Faye, en disant que vous étiez peut-être un psychanalyste peu ordinaire, un psychanalyste déviant. Ben, c'est-à-dire que pour moi, la question ne se pose pas d'être ou ne pas être un psychanalyste, mais de savoir quelle est l'utilité, l'opportunité de se préoccuper de l'analyse des formations de l'inconscient. Et car pour moi, le sujet analytique n'est pas forcément un psychanalyste, mais peut être un processus. Un processus, comme dans la psychothérapie institutionnelle, c'est un processus institutionnel qui mène l'analyse des formations de l'inconscient. Ou dans un établissement scolaire, on peut imaginer différents groupes, différentes instances analytiques. Donc pour moi, l'analyse est décentrée par rapport à la personne du psychanalyste. Déjà, vous avez parlé de groupes scolaires, vous avez parlé d'institutions collectives. Au fond, l'une de vos caractéristiques, c'est d'avoir voulu lier cette réflexion sur l'inconscient individuel avec la réflexion collective sur l'inconscient, des structures collectives dans lesquelles l'inconscient s'exprime. Et alors, bien évidemment, on ne peut pas parler de vous sans parler de Reich. Qu'est-ce que vous faites de l'héritage de Reich, et est-ce qu'on peut dire que vous avez travaillé dans la lignée de Reich? Non, je ne crois pas. Non, j'ai beaucoup de respect pour le courage, notamment le courage politique de Reich, mais sa conception du sexuel me semble réductionniste. C'est-à-dire que, d'ailleurs, nous avons beaucoup plus parlé du désir que de la libido, et c'est beaucoup plus au niveau des productions collectives de subjectivité que nous sommes situés, tandis que Reich restait encore dans l'individuation de la sexualité. Votre passage par la collectivité avait quand même pour objectif de revenir vous aussi à l'individuation. Une individuation nomade qui bouge, qui est tout le temps en mouvement, qui chaque fois essaie de se redéfinir, mais qui en même temps refuse tout ce qui est domination, fixation. Est-ce qu'on peut dire, au fond, peut-être que vous seriez quelque chose comme un philosophe du mouvant? Oui, mais alors, ça va apparaître comme un esprit de contradiction. Pour me démarquer à nouveau d'un de vos termes, je parlerai moins en termes d'individuation qu'en termes de singularisation. C'est-à-dire que l'individuation reste toujours, selon moi, quelque chose qui tend à réduire la complexité de la subjectivité. Vous avez un auteur qui vient d'être traduit là aux presses universitaires, Daniel Stern, qui montre combien la subjectivité est faite de niveaux parallèles et niveaux hétérogènes les uns par rapport aux autres. L'individu, la saisie de l'individu comme tel, dans son unicité, dans son caractère de responsabilité, etc., est toujours quelque chose de réducteur. Il me semble que, par contre, la singularisation, elle peut s'opérer à travers cette mouvance, cette multivalence de la subjectivité. Michel Figue. Oui, je voudrais un moment revenir sur l'Anti-Oedipe, qui est un livre qui a eu un grand succès. Qui dit grand succès dit aussi source de bien des malentendus. Et je voudrais porter témoignage d'un des malentendus. C'est vous dire, dans les années 75, quand j'ai lu l'Anti-Oedipe, à un moment où la psychanalyse, ou le psychanalysme, comme aurait dit Robert Castel, était un peu l'idéologie dominante d'une certaine intelligentsia, j'ai trouvé dans l'Oedipe, dans la critique féroce et joyeuse d'un certain discours psychanalytique, de quoi me tenir éloigné de cette attraction. Ce que je ne crois pas être finalement l'objectif que vous vous assignez, vous, en collaborant à l'écriture de ce livre. Et j'aimerais vous entendre réagir au devenir finalement contemporain de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'après cette période de vogue, il semble que la psychanalyse soit en crise, et en tout cas elle ne joue plus du tout le rôle de référence motrice, de référence phare qu'elle a pu jouer, disons, à l'apogée des années Lacan. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on y perd quand même d'un point de vue intellectuel, thérapeutique?
Malheureusement, on pourrait dire de la psychanalyse qu'elle l'a bien cherché. Qu'elle l'a bien cherché en se dogmatisant, en se prenant une vie groupusculaire pour la façon dont les analystes s'organisent et font la formation, alors qu'au fond, la vocation première de l'analyse dans la perspective freudienne était une ouverture extrêmement grande à tous les problèmes sociaux, esthétiques, etc. Alors, donc, finalement, c'est moins le sort des psychanalystes qui m'intéresse que le sort de l'analyse des formations subjectives inconscientes. Et ça, je crois que ça m'apparaît relativement desservi par le fonctionnement de la psychanalyse, en particulier de la psychanalyse qu'on peut dire structuraliste dans la mouvance lacanienne, qui est elle-même très complexe. La formation de subjectivité inconsciente, ça veut dire la sortie de la subjectivité prédéterminée, de la subjectivité telle qu'elle est causée dans tous les sens du mot, dans la société, par les masses médias, par les équipements collectifs. Ça veut dire la production de subjectivité, l'invention de soi-même, l'invention du contexte dans lequel on vit. Le grand mérite de l'analyse, c'est de porter l'accent sur ce caractère créationniste de la subjectivité. Ce qui est très grave avec débandade, on peut dire, de la psychanalyse actuelle, c'est qu'elle laisse la place à la remontée du comportementalisme, à la remontée d'attitudes vraiment réductionnistes, scientistes, dans le domaine de la psychologie, des sciences sociales et des sciences humaines. Et aujourd'hui, vous avez un courant, par exemple, qui prend une grande importance, c'est celui de la thérapie familiale, qui, pour une part, représente une certaine ouverture sur la famille et donc une certaine ouverture des fenêtres sur le caractère un peu renfermé de la psychanalyse, mais qui, pour d'autre part, reste finalement très lié à des conceptions réductionnistes du systémisme anglo-saxon. Heureusement, il y a un certain nombre de gens qui, au sein de ce courant maintenant très puissant, plus puissant que la psychanalyse, qui cherche à travailler dans une voie de singularisation de la cure. Je pense surtout à très puissant outre-Atlantique. Très puissant en Italie, très puissant en France, très puissant en Belgique. Ce que vous leur reprochez essentiellement, puisque on peut déjà leur régler leur compte, peut-être sur le fond quand même, essentiellement, ce que vous leur reprochez, c'est de maintenir le système en l'état. Dans la mesure où c'est un système comportementaliste, en fait, on maintient le système et on ne règle pas le problème de l'être considéré comme déviant, au fond, qu'on encourage à continuer à être dans son mal-être par rapport au système. Bien qu'il parle toujours de système ouvert, qu'un certain nombre de courants se réfèrent à Prigogine, c'est-à-dire à des bifurcations, à des équilibres, à des organisations loin de l'équilibre, c'est compliqué, c'est un milieu vivant et on ne peut pas non plus régler son compte aussi rapidement. C'est un peu votre tendance, parce que ce que j'ai lu de vous sur le système, sur tout ce qui est système familial, de thérapie familiale d'ensemble, thérapie de groupe, c'est un peu cette critique, non? Oui, je fais cette critique, mais je participe au congrès de psychothérapie familiale régulièrement. Emmanuel Guérin-Philosophe. Oui, c'est ça, exactement. Partisan, donc très engagé. J'aurais voulu un petit peu revenir sur la première question qui a été posée par Antoine Speer. Vous êtes aussi philosophe, alors j'aurais voulu savoir comment vous articulez un regard de philosophe avec une évaluation du sens des choses, un projet, et un regard de psychanalyste. Est-ce qu'il y a une convergence entre ces deux approches? Je crois que la convergence tient dans ce caractère de production, disons, de productionnisme ou de processualisme. Le philosophe, la philosophie, le concept philosophique tel que le conçoit Gilles Deleuze, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qui est autoproducteur même de sa signification et plus que de sa signification, de son existence. En ce sens, le concept philosophique est proche de cette production de subjectivité dont je parle, quoique, bien sûr, le concept philosophique ait son champ absolument spécifique, qui n'est pas celui ni de la science, ni du social. Une dernière question par rapport à cette première question posée. Où situez-vous la question de l'éthique dans cette articulation entre une approche philosophique et une approche dans le psychanalytique? Je situe, si vous voulez, dans un déplacement, une dérive
des paradigmes qui ont régné sur la psychologie, la psychanalyse, les sciences humaines, qui est un paradigme, peut-être on est obligé de parler vite, et avec pas assez de nuances, mais qui est un paradigme scientiste. Il y a toujours cette idée qu'on va rechercher des lois, qu'on va appliquer ces lois, qu'on trouvera une pratique en cohérence avec les lois découvertes. La psychanalyse est-elle une science? Voilà le genre de thématique qu'on voit très couramment à l'affiche de colloques, de rencontres. On défend comme quelque chose d'essentiel le caractère scientifique, par exemple, de la psychanalyse ou de la thérapie familiale ou de pratiques psychiatriques. Même si c'est, il s'agit de références relativement lointaines, on trouve toujours moyen de se raccrocher à la topologie, à la linguistique, etc., considérée comme science. Alors que, pour moi, la question éthique commence justement avec cette rupture du paradigme scientiste et l'entrée dans des dimensions autres. Quand je dis, par exemple, une référence éthique, je veux dire que quelque chose de singulier advient dans une cure ou dans une prise en charge, comme dans la clinique de la Borde où je travaille. Quelque chose qui ne se reproduira pas, c'est-à-dire une vérité du rapport, une vérité de la relation, une unicité, une singularité qui va naître et qui va créer ce climat, si on peut dire, de singularité existentielle, ce cachet de vérité qui fera qu'on ne sera plus du tout dans un monde pseudo-scientifique, un monde technocratique, un monde de blouse blanche, un monde de causalité linéaire. C'est là que commence le facteur éthique et aussi bien d'ailleurs que esthétique, puisque d'une certaine façon, on trouve dans la création esthétique ce même souci de singularité. En face des singularités existentielles, est-ce qu'il n'y a que de la bureaucratie, de la technocratie, des blouses blanches, du practico-inerte, est-ce qu'il n'y a au fond que de l'administratif, est-ce qu'il n'y a que du bureaucratique, en face des singularités existentielles, quand on fait de la philosophie, et c'est la question vraiment que je me suis posée moi après la lecture de 1000 plateaux, que, je ne sais pas, d'une façon trop rapide et trop schématique, je dirais être un livre positif, un livre constructif, après que l'anti-Oedipe était un livre contre, un livre qui était dans la foulée de 68. Alors quand on lit 1000 plateaux, que vous avez écrit aussi avec Gilles Deleuze, on a l'impression que, pour vous, l'objectif essentiel, c'est plus d'articuler des milliers d'idées dans des milliers de contextes que d'élaborer des concepts philosophiques qui est un sens, le sens générique du concept philosophique opposé aux singularités existentielles. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement perdre la spécificité de la philosophie, la colonne vertébrale de la philosophie? Moi, je pense au contraire que si la philosophie est refermée sur des corpus conceptuels clôturés, on en perd... Pourquoi clôturer? Clôturé dans un texte. Je pense par exemple à des amis brésiliens, très bien intentionnés par ailleurs, qui reprochent à Gilles Deleuze une interprétation trop personnelle de l'œuvre de Foucault dans son livre. C'est-à-dire que, alors la réponse c'est qu'il s'agit soit de s'en tenir au texte de l'œuvre de Foucault, soit de faire fonctionner cette œuvre au-delà même des textes. Je crois qu'il en va de même avec la philosophie. Si la philosophie est un mouvement de production de concepts, un mouvement qui sans arrêt reprend le passé pour lui donner une densité de virtualité, une densité de possible, à ce moment-là, il y a tout à fait une survie possible de la philosophie. Sinon, je crois que la philosophie meurt avec ça. Est-ce que ce n'est qu'un mouvement de production de concepts? Est-ce que ce n'est pas aussi, quelquefois, une articulation de concepts qui existent donnés et qui sont donnés? Alors, j'entre tout à fait dans l'opposition à 1000 plateaux. Vous décrivez vos opposants comme des religieux de l'arbre, des gens qui, au fond, croient aux racines, croient à des concepts qui s'articulent les uns avec les autres, qui sont stables et fixes, pas clôturés, hein. Clôturés, c'est quand même déjà caricatural. Bon, mais fixes, et alors, au fond, est-ce que ça, c'est pas finalement la vertu de toute colonne vertébrale philosophique? Et est-ce qu'au fond, il ne faut pas une colonne vertébrale philosophique pour ensuite aller élaborer du Deleuze et Guattari, et puis essayer de volter petit oiseau sur les ramages? Et pour qu'il y ait des ramages, il faut peut-être qu'il y ait une colonne vertébrale. Est-ce que vous n'allez pas un peu vite en demeure avec Gilles Deleuze en cassant ces colonnes vertébrales philosophiques? Bah, si vous le dites,
mais on respecte les textes, on travaille à partir des textes, on ne brise pas les philosophes à la nuque avec le coup du lapin. Qu'est-ce que c'est le refus de l'arbre alors? Le refus de l'arbre, c'est le refus d'une histoire de la philosophie qui se clôture sur elle-même, qui se referme, par exemple sur Hegel, et qui ensuite est une longue plainte sur la mort de la philosophie. Nous ne pensons pas du tout à la mort de la philosophie, nous pensons que la philosophie se fait, qu'elle est mouvement, et que même à travers d'autres cultures que la culture occidentale, sous d'autres formes, comme des formes de sagesse par exemple, la philosophie est quelque chose d'essentiel à l'existence humaine, et qu'elle ne, à ce titre, elle n'est pas réservée aux professeurs de philosophie dans les lycées, dans les universités. Mais est-ce qu'elle a un projet? Je veux dire, vous parlez de mobilité, mais mobilité vers où? Parce que finalement, en vous écoutant, je pensais presque à Bergson. Enfin, je veux dire, oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un projet de la philosophie selon vous? Non, je crois qu'il y a un processus philosophique, mais il n'y a pas une finalité, un objectif. Philosophique, en quelque sorte. Oui. Alors, quelle est la signification dans le champ social du philosophique aujourd'hui, selon vous? Aujourd'hui, c'est de reposer un certain nombre de questions sur la production de subjectivité, sur le fait que la subjectivité est engagée dans d'immenses aventures avec les technosciences, dans d'immenses aventures avec la dégradation de la biosphère, d'immenses aventures avec des mouvements démographiques considérables, des brassements culturels. Savoir, est-ce qu'il y a à travers cela une possibilité d'avenir, est-ce qu'il y a du possible dans, mais y compris à des niveaux très j'ai pris des exemples un peu comme ça trop larges, mais aussi à des niveaux très individuels ou très partiels, comme celui d'une classe scolaire, comme celui d'une clinique psychiatrique. Est-ce qu'il y a un travail sur la subjectivité, sur le retour sur elle-même de la subjectivité, qu'il soit non pas retour clos, fermé de mauvaise conscience, mais qu'il soit retour productif d'une autre subjectivité? Et à chaque fois, on trouve des problématiques philosophiques à ce genre de carrefour. Dernière question là, sur ce plan immédiat. Bon, certains épistémologues disent aujourd'hui qu'on est créateur de possibles et de multiples, mais ce possible, quelle est sa signification? Je veux dire, on crée beaucoup de possibles aujourd'hui. On est très créateur et très créatif dans ce domaine. Mais quelle est la finalité de tout ça? Bah justement, aucune. Le problème, c'est de recentrer une finalité en dehors des pseudo-finalités que sont des objectifs économiques, des objectifs d'un certain type d'esthétisme, des objectifs de pouvoir. Et il s'agit de retrouver comme objectif ce qu'est la finitude, ce qu'est la singularité du rapport au désir, du rapport à la naissance, à la mort, du rapport au cosmos, du rapport au devenir de l'existence, que toutes les autres types de finalités nous font fuir, nous font éviter. C'est-à-dire que la fonction de la philosophie, c'est de déniaiser la subjectivité, de la sortir d'un certain infantilisme, c'est-à-dire de lui rendre la densité de l'événement, de sortir de certains mythes de l'éternité tels qu'ils nous sont versés comme une drogue sans arrêt de tous côtés. Oui, retrouver la valeur de la singularité, c'est très souvent, finalement, essayer de déstructurer toutes les formes d'universel. Alors moi, la façon dont j'ai lu notamment Mille Plateaux, que je tiens pour un livre de philosophie politique extrêmement important, c'est finalement la critique philosophique de deux concepts qui sont souvent liés, celui d'universel et toutes ses manifestations, et sans doute aussi celui d'identité, puisque finalement dans la création du processus de subjectivation, cette subjectivité nouvelle, elle est plurielle, elle ne se laisse pas saisir par une identité. Et la question que je me suis posée, c'est comment vous arriviez à raccorder finalement cette
dimension philosophique. Bon, je cite très souvent, notamment devant des étudiants, ce début de Mille Plateaux que je trouve superbe, quand vous écrivez avec Deleuze, nous avons écrit Mille Plateaux à deux, et comme chacun de nous était en plusieurs, ça faisait beaucoup de monde, donc chacun est pluriel. Avec le travail du psychanalyste, ou d'un certain point de vue, il s'agit bien d'aider l'autre à reconstruire une identité fêlée, scindée, à reconstruire finalement la capacité à être soi. Alors est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de tension dans votre travail entre, je dirais, le pôle pratique, thérapeutique, analytique, et puis le pôle philosophique ? Reconstruire, rebâtir, redeler, enfin, toutes ces expressions ne conviennent pas beaucoup. Je veux dire que dans la prolongation de ce que je disais précédemment, les individus et les collectivités humaines sont engagés dans une telle course au désastre, à la perte de toute capacité de se cadrer dans des territoires existentiels, que c'est dans ce mouvement même de fuite en avant, de reprise de soi-même, de processus, qu'on peut trouver quelque chose qui n'est pas une identité, qui n'est pas l'adéquation à des universaux, mais qui est simplement le fait qu'en cours de route, en cours de mouvement, en cours de dans la chute même, on se rattrape et on se construit une temporalité possible. On se construit des objets, on s'invente un monde, exactement comme un artiste crée, produit un monde qui lui est spécifique. Donc je crois qu'à chaque fois qu'on se raccroche aux universaux, par exemple aux universaux psychologiques, aux universaux de la psychologie ou aux universaux de la linguistique, à chaque fois qu'on se fixe comme objectif une identité, on perd quelque chose d'essentiel qui est le devenir. Le devenir, avec le risque que le devenir s'effondre, avec le risque qu'on ne peut jamais cacher, c'est qu'on se trouve devant une échéance toujours très proche à fleur de peau, qui est celle de la catastrophe schizophrénique, qui est celle de l'angoisse totale, qui est celle du démantèlement de cette subjectivité. Alors, on peut se dire, oui, mais non, j'ai toutes sortes de protections, de garanties du moi, etc. Il faudrait parler de la critique des théories du moi à la lumière de l'éthologie humaine aujourd'hui, telle qu'elle montre que la multiplicité du moi, qui ne se présente pas du tout comme système de défense, par rapport au conflit. Eh bien, on est toujours proche, on est toujours là, à la limite de se casser la gueule. Et puis, c'est dans ce retournement, dans cette pirouette, dans ce tour de force, que aujourd'hui, l'individu comme l'humanité peut se reprendre. Félix Guattari, critique des universaux, déterritorialisation, ligne de fuite pour l'individu. Je tire tout ça de Mille Plateaux. Est-ce que finalement ces mouvements perpétuels, ces déplacements perpétuels, ne conduisent pas à s'interroger sur, vous dites, le moi ça ne suffit pas pour savoir ce qui nous tient, sur ce qui structure le moi, ce qui structure l'individu et la manière dont on hérite du passé. Tout le temps en lisant Mille Plateaux, moi j'avais en tête la question de la transmission du passé. Est-ce que le passé ne se transmet pas finalement à travers des grilles universelles, des perceptions de la réalité organisées, pensées, construites à travers ces universaux? Alors, il faut les détruire pour essayer soi-même de trouver, au fond, son mode d'être, son mode de, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien lu, son mode, au fond, de perception de la réalité, son mode de compréhension du monde. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin que se maintiennent envers et malgré tout ces lignes essentielles transmises par l'histoire de la philosophie, transmises par l'histoire de la pensée, tout simplement, et de les articuler avec ce mouvement dont vous parlez? Pour sortir un peu de la philosophie, pour aborder un domaine plus politique, on voit bien l'effondrement non seulement du marxisme, mais des pratiques du socialisme réel, etc. Quel est le poids, le prix du passé
des théories qui ont inspiré ces pratiques. Il est grand puisqu'il permet de mesurer en effet l'écart, il permet de mesurer à quel point les espoirs mis dans une certaine représentation du monde pouvaient mener à des catastrophes. Je pense comme Sartre que le passé il n'existe que dans la mesure où il est recréé, réinventé, repris. Mais que comme tel, il peut être que source d'illusions. Les historiens donnent des visions du monde qui sont les visions du monde de ces historiens dans une période actuelle, aujourd'hui, en œuvre. La perspective généalogique de Foucault à cet égard est très intéressante puisqu'il faisait pas exactement de l'histoire mais il reprenait des éléments d'archives, des éléments du passé pour recomposer quelque chose qui nous jetait littéralement sur les situations actuelles. Enfin quand même pertinence d'une certaine façon du passé dans la mesure où pour penser on a besoin de s'appuyer sur un patrimoine philosophique et qu'en fait pour lire Deleuze et Guattari, est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir lu Marx, Freud, Darwin et Foucault, Lacan? Non, franchement, je ne pense pas. Alors, on peut commencer comme ça, avec Deleuze et Guattari, la philosophie. Franchement, on peut commencer la philosophie comme ça, sans structuration? Mais non, mais vous avez des objets qui circulent, qui ont été traduits dans différents pays, bien. Vous pouvez aussi bien commencer à réfléchir. Ça peut être une introduction à Hegel ou à Platon. Vous pouvez commencer par ce que vous voulez. L'important, c'est de savoir si certaines phrases, certaines énoncés vous induisent à penser, vous emmènent éventuellement une rêverie, dans une perspective de... Ce que je voudrais vous faire dire, c'est qu'il y a peut-être une fausse destruction des références philosophiques dans vos livres. Et finalement, un mouvement très intéressant, passionnant, mais qui s'appuie bien évidemment sur ce qui a été construit, contrairement à ce qui est affirmé dans le livre. Je vais vous prendre un exemple dans un autre domaine. Oui, je vous en prie. Je vous en prie, prenez votre exemple, parce que moi j'ai une question. Les Freudiens ont longtemps raisonné en pensant que les névroses, les symptômes, les formations psychopathologiques actuelles devait se référer à des points, à des fixations dans le tout premier âge, entre 0 et 3 ans, quelque chose comme ça. Et puis d'autres théoriciens aujourd'hui montrent que effectivement ces fixations passées, elles existent comme origine, comme origination de quelque chose, mais pas forcément sur un mode causal. C'est pas parce que vous aurez une référence anale, par exemple, infantile. Vous parlez de l'origine seulement comme mode causal. Pourquoi vous parlez de l'origine exclusivement comme mode causal? Parce que les Freudiens en ont parlé comme ça. D'accord, enfin, on peut parler de l'origine, pas sous le mode causal, mais sous le mode de fécondation d'une pensée. L'origine, la philosophie, les philosophies qui précèdent peuvent féconder des pensées. Je ne suis pas contre les philosophies qui précèdent. Vous me poussez dans des retranchements étranges. Non, mais je vais essayer de trouver une voie de sortie. Hein. C'est pas la question que j'ai posée, mais je la pose par rapport à ce qui vient de se dire. Est-ce que, alors, vous avez une sensibilité pour Aristote et l'antéléchie, c'est-à-dire ce mouvement qui part, ça, le petit coup de pied qui lance quelque chose, un mouvement? Oui, si vous voulez, oui. Ça correspond un petit peu à... Oui. Bien, donc moi j'ai situé donc par rapport à Aristote votre principe du mouvement. Alors la question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Si en quelque sorte l'homme apparaît comme ça dans une histoire à un moment donné, auteur de sa vie, de son existence et de son projet, comment arriver à gérer les désirs de pouvoir que chaque homme, à juste titre, pourrait pour lui-même revendiquer? Parce que finalement, si chacun est l'auteur de sa propre personne, comment arriver à créer un ordre social, une paix entre les gens, par rapport à une finalité sociale malgré tout? Les finalités sociales, les rapports de pouvoir, ils existent à un certain niveau, avec des contraintes, avec des coefficients de réalité. La question qu'on peut se poser, c'est comment justement faire qu'à travers ces différentes stratifications du réel, économique, social, culturel, comment est-ce qu'on peut trouver des moyens de reprise, des moyens de créer la subjectivité comme agencement collectif ou comme subjectivité individuée sur un mode qui ne soit pas celui, disons, du sérialisme, pour reprendre une vieille expression de Jean-Paul Sartre.
Alors, c'est surtout ça, la question. Mais il ne s'agit pas de nier ce que sont les formations de pouvoir. On est dedans jusqu'au cou. Et avec le postmodernisme, on a vu même le spectre d'une perspective qui consistait à purement et simplement refuser l'idée même de pratique. L'idée de pratique de soi, l'idée de pratique esthétique, l'idée de pratique sociale, et qu'il n'y avait qu'à s'en remettre purement simplement à l'état des choses, au marché par exemple, comme le marché de l'art. Parce que vous avez mis en parenthèse totalement tout ce qui est transcendance, tout ce qui est valeur transcendante, il n'y a pas de tradition, n'existe pas. C'est pourquoi je posais la question. Mais si, mais il n'y a que ça, la tradition. On se heurte dedans sans arrêt, on tourne en rond comme des bourriques autour d'un poteau avec les traditions, les universaux, etc. On est complètement encerclé. C'est pour ça que quand vous me dites que je nie les universaux... Vous voulez en sortir. Oui, je ne pense qu'à ça. Vous voulez en sortir, oui. Le problème est de savoir comment. Parce que quand vous dites le mouvant, quand vous dites le flou, quand vous dites un certain nombre de choses pour l'opposer au fixe, pour l'opposer au dur, pour l'opposer au stable, on se dit d'accord, mais enfin, pour qu'il y ait un certain mouvement, il faut bien que quelque part, il y ait eu quelque chose qui ait fixé ces universaux. Ouais. Alors, où elle est la réflexion par rapport à cette fixation? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais elle est à travers la bifurcation. Aujourd'hui, par exemple, on peut essayer de repenser ce qu'a été le mai 68 en France à travers cette bifurcation extraordinaire qu'ont opéré dans l'histoire les étudiants chinois. C'était, donc le problème pour moi, il n'est pas d'interpréter les étudiants chinois à travers 68, mais à l'inverse, de repenser ce qu'a été 68 à travers ce type de mutation, ce type de... Enfin là, on pourrait en parler pendant des heures, je ne développe pas. Depuis le début de l'entretien, deux fois de suite, le nom de Sartre est venu sous votre bouche. Et ça m'intéresse bien parce que est-ce que finalement de Sartre, vous gardez, je ne dirais pas une filiation, en tout cas une sympathie pour le penseur justement de la subjectivité, le penseur de la pratique, et comment vous situez-vous par rapport à cette sorte de long purgatoire que la pensée sartrienne subit depuis plusieurs années? Oh oui, mais non, moi j'ai toujours été très fidèle, très attaché à la pensée de Sartre, et puis surtout à son... cette espèce de volonté d'engagement, quoi, cette espèce de présence à l'histoire, au risque même de se tromper, au risque de se fourvoyer. En même temps, votre mode d'inscription politique et d'engagement ressemble plus finalement à celui d'un Michel Foucault, c'est-à-dire on a souvent opposé les deux modes d'engagement comme un engagement dans un certain mode de généralité de ça, et puis un engagement beaucoup plus particulier, beaucoup plus polarisé précisément d'un Michel Foucault. Très curieusement, vous me semblez plus proche de Michel Foucault dans la modalité d'engagement et beaucoup plus proche de Sartre dans la façon de réfléchir cet engagement. C'est-à-dire que là encore, il y a des chérures entre les perspectives. C'est que tout qui était les formations politiques, syndicales, etc., à l'époque de Sartre, lui, encore, c'est qu'on est aussi doute, démarche très complexe qu'il a eu. À l'époque de Michel Foucault, ce qui surgit, c'est que. Il y a de tous les niveaux du social, au niveau de l'éducation, les prisons, au niveau de la psychiatrie, au niveau de l'homosexualité, la prostitution. Et cette problématique, elle est irréversible, elle continue, malgré la chape de plomb, malgré les années d'hiver que nous traversons. Mais on sent qu'il y a une micro-politique, un niveau micro-social, qui est le lieu où va s'opérer la reprise des pratiques sociales. Bien. Alors, dans ce cas-là, effectivement, il faut essayer de concevoir une restructuration de l'acte politique dans ce nouveau contexte. Ce qui ne veut pas dire que, par ailleurs, il n'existe pas toujours des formations de pouvoir, les formations étatiques, etc., au sein desquelles on se débat. On est donc pris dans une sorte de polyphonie discordante entre des lignes très contradictoires. Félix Guattari, alors au fond, pas de conception globale non plus de la vie politique, mais seulement quelque chose d'éclaté auprès de chaque problème, auprès de chaque institution, pour essayer d'en critiquer les dysfonctionnements, mais jamais une conception globale. Vous avez quelque chose qui m'a beaucoup frappé comme concept dans Mille Plateaux, qui est le concept de anexactitude, que vous situez au-delà du vrai et du faux, donc la vérité. Le problème est d'être dans l'anexactitude, au-delà du vrai et du faux. Alors est-ce que vous pourriez me préciser, dans cette instance politique, puisque là on est dans l'instance politique, qu'est-ce que c'est que l'inexactitude? Sinon, quelque chose qui risque de faire éclater ce que peut être la vérité
ma vérité à un moment donné, une conception globale de l'histoire. Ben, ça serait une pensée du complexe autour de laquelle tournent pas mal de gens. Comment je pourrais vous donner un exemple? Je pense à un malade psychotique qui, brusquement, alors qu'un homme de progrès, de gauche, se met à faire un délire raciste, un délire fasciste. Eh bien, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? On lui fait la morale, on lui fait un discours, ou est-ce qu'on ne joue pas... Comme vous avez déjà lu, je sais la réponse. La réponse, c'est qu'on le suit dans son délire, et ça ne signifie pas qu'à l'extérieur, quand on parle du racisme, on va défendre son délire. Mais on le défend parce qu'on est avec lui dans son délire. Exactement. Bon. Alors, aujourd'hui, sur le plan politique, il y a un certain nombre de failles, de ruptures qui se sont traduites à une époque qui était encore un peu drôle, qui était celle de Coluche, qui se sont traduites par des éclairages très humoristiques, grotesques sur ce qu'est cette vie politique mass-médiatisée que l'on connaît, qui se traduit aujourd'hui avec la montée des Verts, des écologistes, etc., qui sont moins drôles, malheureusement, mais enfin, qui sont quand même très significatifs. Il y a des phénomènes extraordinaires quand on y pense, la révolte des pompiers, la révolte des policiers, etc. Il continue, mai 68, alors qu'est-ce que c'était donc cette mise en question des institutions, c'est aujourd'hui... Est-ce qu'on continue bien mai 68? Est-ce qu'il n'y a pas dans mai 68 une conception globale que vous récusez, vous? Ah oui, totalement. Est-ce qu'il n'y a pas une philosophie du renversement, d'une autre type de société? Mai 68, ce n'était pas seulement faisons l'amour, hein. C'était pas seulement changeons l'immédiateté. C'est-à-dire que pour moi, mai 68, ça a été d'abord un fait de rupture et le surgissement, l'émergence de formes mutantes de subjectivation singulière, prises chacune dans des contextes différents, donc pas du tout homogènes, une hétérogenèse de la subjectivité. Ensuite, sont venues à la rescousse toutes les idéologies toutes constituées, toutes les idéologies gauchistes, les idéologies maoïstes, etc. Qui avaient un projet global. Oui, mais qui pour moi était une réponse à la rupture, à la faille de 68, du parallèle homothétique à la réponse des policiers, à la réponse d'Edgar Faure à l'époque, ou je ne sais plus qui. Mais mai 68 n'a pas été une révolution, en fin de compte, puisque... Une révolution moléculaire. Oui, justement. Alors vous êtes déçu, finalement, de cette espèce de repli, de retraite, parce que finalement, on peut se poser la question, au nom de quelle morale, de quelle valeur, à un moment donné, excusez-moi de poser la question de manière impertinente par rapport à votre discours, mais au nom de quelle valeur, finalement, tout s'est arrêté. Mais rien ne s'est arrêté. Comment rien ne s'est arrêté? Écoutez, on va prendre un exemple très concret. L'antipsychiatrie. L'antipsychiatrie, puisque c'est comme ça que pour vous, beaucoup de choses ont commencé, dans votre pratique même, Basaglia est mort, Cooper est mort, Leng vient de mourir. Ils étaient mortels. Mais qui leur succède? Et dans la pratique, dans la pratique, quels sont leurs successeurs? Et aujourd'hui, quelles sont les vertus de l'antipsychiatrie? Si on voit exactement comment les choses se sont passées, on se rend compte que même la psychanalyse de secteur, la médecine de secteur, enfin la sectorisation à l'hôpital, a pour le moins en partie, hélas, échoué. Alors est-ce qu'on ne voit pas finalement ces idées petit à petit? Alors vous dites l'hiver. Est-ce qu'on n'est pas effectivement en plein hiver? Pas partout. Alors, si on a le nez collé sur la France, vous avez raison. Si on retire la tête un peu, on voit des choses passionnantes. Par exemple, chez les successeurs de Franco Basaglia, à Trieste, une tentative de repenser complètement la pratique psychiatrique avec des systèmes de coopératives, avec un rayonnement... Où la psychiatrie sort d'elle-même, c'est pas l'antipsychiatrie, c'est la psychiatrie ouverte non seulement sur la cité, mais ouverte sur d'autres pratiques, sur les problèmes de la prison, les problèmes de la culture, etc. Alors, il existe, par exemple, des luttes contre l'enfermement psychiatrique en Grèce, où il existe des hôpitaux comme Aleiros, qui sont des sortes de camps de concentration, au Brésil, en Argentine, dans différents pays, cette problématique continue d'être tout à fait vivante. Moi, je crois que sur ce point, vous avez beaucoup amené. Et que sur ce point, les idées que vous avez avancées ont une très grande importance. Ce dont je m'étonne, c'est voilà un point où vous êtes vraiment
pour le moins totalement compétent, c'est votre pratique. On a l'impression que, hélas, en France, vous n'êtes pas suivi, vous n'avez pas été suivi. Mais c'est pas grave, parce que la France est une petite chose. La France est une petite province, c'est une petite Suisse pouilleuse. C'est, je veux dire, pouilleuse dans ce sens qu'elle n'a pas la richesse de la Suisse, par tête d'habitant. Mais là, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose en France et que les socialistes français font peu de choses pour qu'il y ait des débats, pour qu'il y ait une innovation sociale, une créativité. Mais dans le tiers monde, on va parler de politique parce que c'est pas les partis politiques qui sont en question. Non. C'est plutôt la société civile française et l'aspiration de cette société à faire éclater les barrières de l'asile. Mais quand il y a par exemple une lutte, les pompiers quand même. Quand il y a je vais prendre un autre exemple. Quand il y a une lutte à la fois sectorielle, mais en même temps qu'il y a une dimension beaucoup plus critique finalement. Je pense au mouvement des infirmières de l'année dernière. Bon, qui, d'un certain point de vue, pourrait être un mouvement que vos concepts et que votre pratique théorique permet de comprendre dans toute sa potentialité, ses contradictions, ses hésitations. Force est bien de constater qu'un mouvement comme ça, à un moment donné, se heurte à cette fameuse généralité, par exemple de l'appareil d'État, de la grille de la fonction publique. Et à ce moment-là, ce mouvement se casse. Alors, on peut dire il n'est pas vraiment cassé, ça va peut-être recommencer, la braise continue à brûler sous la neige de ces années d'hiver, mais est-ce que là, il n'y a pas quand même quelque chose qui, d'un point de vue alors à la fois théorique et politique, mérite d'être pensé? C'est qu'en jouant la déterritorialisation des luttes, en jouant la singularisation optimale de la revendication, à un moment donné, on se fragilise par rapport à cette généralité de l'appareil d'État, du pouvoir d'État, et à ce moment-là, on perd, puisque dans une lutte, moi, je trouve que vous ne mettez pas l'éclairage suffisant sur la fragilité de ce pouvoir d'État, et sur son caractère fictif, son caractère de leurre, qui est manifeste dans le domaine économique. J'ai une formation très hégélienne, alors c'est pour ça que je ne suis pas bien préparé à fragiliser l'État. Aujourd'hui, il faut penser les problèmes à l'échelle planétaire, et on voit bien qu'à l'échelle planétaire, toutes ces structures politiques existantes sont complètement hors de la course. Quand vous voyez les dégradations de la biosphère telle qu'elle se développe, l'impuissance totale à contrôler la poussée démographique dans le monde, avec le fait que les Chinois sont revenus maintenant partent tranquillement vers les 2 milliards d'habitants à court terme finalement. Quand vous voyez la montée de la misère, la crise urbaine, etc., Mexico qui va avoir 40 millions d'habitants, etc., alors on se dit que les gens qui sont en position de pouvoir, mais ne contrôlent rien du tout. Regardez aujourd'hui même ce qu'on dit du président Bush. Il dit, mais il prend pas d'initiative, il est là, il hésite, et il hésite à soutenir la Pologne, il hésite à soutenir le gorbatchevisme, etc. On est devant une sorte de paralysie pouvoirs en place. Les pouvoirs, si vous voulez revenir en France, les pouvoirs syndicaux, les pouvoirs politiques, les parlementaires sont des gens qui ne disent plus rien. Il n'y a jamais aucun débat. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas qu'ils soient idiots ou qu'ils soient pourris, mais ça signifie simplement qu'ils ne sont pas en prise sur les immenses transformations, les immenses révolutions qui nous traversent. Immenses révolutions. Qui peut être en prise globalement? C'est la question. Parce que quand on vous lit, personne. Personne, puisque au fond, l'instance globale n'a pas de sens. Alors, qui est en prise? Les infirmières, excusez-moi, elles ne sont en prise que sur le problème de la santé. Les pompiers, ils sont en prise seulement sur le problème des pompiers. Et que vous le vouliez ou non, ils n'ont pas de vision globale de l'histoire. Alors, mais qui a le droit d'avoir une vision globale? Personne. Mais les étudiants chinois, ils étaient en prise sur 1 milliard d'habitants, un peu plus même. 1 250 000 000 d'habitants. Croyez-vous, ça arrive. Croyez-vous qu'ils étaient en prise sur 1 150 000 000 d'habitants? Non, mais alors à chaque fois qu'il y a un phénomène comme ça, tout de suite on dit oh mais c'était un accident, il faut pas faire attention. Mais ça fait quand même beaucoup. Regardez aussi ce qui se passe au Brésil où il y a une avec les phénomènes d'inflation, d'hyperinflation dans toute l'Amérique latine, ce sont des continents entiers qui sont complètement démantelés. Parlons pas de l'Afrique. Si on parle à un niveau planétaire, on ne peut pas laisser de côté ces situations extravagantes qui se développent. Par ailleurs, il y a les révolutions technico-scientifiques qui sont aussi fantastiques.
Et là-dessus, on trouve cette espèce de calme, comme ça, de pas de béatitude, mais d'abrutissement de la vie politique, de la vie intellectuelle, bien souvent aussi. Alors, on peut arriver à votre conception de l'écologie, là, parce que donc vous prenez parti pour une écologie qui est plutôt une écosophie, parce que vous êtes contre l'archéoécologie, vous êtes donc l'écologie des petits oiseaux, tout ça, c'est pas votre affaire, mais vous êtes contre en même temps une écologie technocratique à la Brice Lalonde, disons, pour faire vite. Et troisièmement, alors vous proposez un autre écologie qui est ce que vous appelez une écosophie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? C'était un peu tout ce qu'on a dit là maintenant, c'est-à-dire que on ne peut pas séparer une transformation de l'environnement, on ne peut pas reprendre en main les dimensions, les composantes, les paramètres essentiels de la biosphère, si par ailleurs on ne change pas les mentalités, si par ailleurs on ne reconstruit pas le tissu social, si on ne le réinvente pas. Parce que le tissu social tel qu'il est en acte, est le plus souvent complètement défait, et le plus souvent fictif, et il n'y a qu'à penser à ce qui est devenu dans de nombreuses familles la vie collective, le rôle des médias dans tout ça. Et puis au-delà de cette écosophie, de cette écologie sociale, une écologie mentale, dans le sens de Gregory Bateson, qui est finalement le travail sur soi, le travail analytique, le travail schizoanalytique, le rapport au monde, le rapport à la finitude, le rapport au social, le rapport au devenir inhumain, le rapport au devenir animal. Et ça nous amène à des personnages comme Kafka, qui était des écosophes à leur façon. Oui, on a traversé très rapidement mai 68 et un constat d'échec qui n'en est peut-être pas un pour vous, puisque vous êtes pour une vision de l'histoire avec une espérance malgré tout. Alors, j'aurais voulu poser une question très simple finalement, peut-être un peu simpliste. Qu'est-ce qui vous préoccupe dans l'homme, j'allais dire indépendamment du social, du phénomène social, qu'est-ce qui vous préoccupe fondamentalement? Parce que derrière ce que vous dites, peut-être que c'est une interprétation un peu moraliste, il y a quand même une requête que j'interprète comme une requête morale. C'est-à-dire du qualitatif et une certaine exigence par rapport à ce que l'homme peut faire ou doit faire. Voilà, donc votre préoccupation, elle se situe où ? L'humanité, elle est en tête de file de l'évolution. Bon, il est peut-être inscrit dans l'évolution qu'elle doit mener à une catastrophe, à une liquidation de toute vie sur la Terre. C'est pas joué. Il est possible qu'au fur et à mesure que se préciseront, que s'éclaireront les risques fantastiques que nous font courir le type de production actuelle, le type de pollution actuelle, le type de démantèlement de la subjectivité actuelle, il est possible que peut-être naisse avec une grande brutalité, un grand effet de surprise, une grande vitalité, un ressaisissement. Une façon de construire autre chose que ce qu'on construit en matière de biens, en matière de circulation automobile, en matière d'urbanisme, etc. Et que d'autres finalités apparaissent, à savoir comment est-ce qu'on va organiser le dialogue, la vie, le rapport au corps, comment est-ce qu'on va organiser une possibilité de développer les potentialités humaines, plutôt que de produire, je ne sais pas quoi, ce qui fait marcher aujourd'hui le marché économique. Alors, je ne veux pas être un interprète de votre pensée, mais il y a un concept qui revient assez fréquemment dans votre discours, c'est le concept de risque. Et pour ça, tout à l'heure, je pensais à Bergson avec la rupture, le mouvement. Et on a l'impression qu'un des éléments, j'allais dire, pour authentifier une situation, pour y pénétrer, la comprendre, c'est évaluer sa caractéristique de risque, sa dimension de risque. Alors, vous pouvez préciser ce que c'est le risque pour vous ? Ah ben, le risque, pour moi, il est total, en ce sens que la situation actuelle au niveau planétaire est extrêmement limite, et tout à fait dangereuse. Il est peut-être déjà trop tard, remarquez. Il est possible que la biosphère ait été atteinte par le type de société industrielle qu'on a développée. Et en tout cas... Et on va se trouver dans quelques décennies avec une accélération de l'histoire assez incroyable. Alors, sur les deux plans, sur les plans du risque, y compris du risque de catastrophe, de pollution, quand on pense ce que c'est de Tchernobyl, comme toute petite chose accidentelle, et le nombre de Tchernobyl qui sont là potentiellement à notre porte, mais en même temps aussi,
ce développement prodigieux de l'intelligence collective avec le développement de l'assistance par ordinateur, des banques de données, etc., la maîtrise de C'est le micro qui vous plaît, dans le micro informatique. Oui, c'est ça, oui. Le développement en biologie qui sont absolument prodigieux, qui peuvent permettre de résoudre la faim dans le monde. Il me semble qu'il n'y a pas vraiment... La faim dans le monde, comment? Qu'est-ce que c'est que cet universel-là? Ça y est, vous passez au niveau global, comme ça? Résoudre la faim dans le monde? Oui. Quelle grande déclaration. Parce que, je vous lis, c'est là où vous voyez, c'est là où il y a un problème. C'est que, en fait, vous parlez d'intervention au niveau du micro, d'intervention locale, et vous dites, et ça va permettre de résoudre, et là, tout d'un coup, réapparaissent, on ne sait pas pourquoi, des universaux, des visions. Et la longue durée de Fernand Braudel, c'est le fait que ce qui est le plus microscopique, par exemple, comme la pilule contraceptive, c'est quelque chose qui intervient sur la démographie. Allez, on dit, Félix Guattari, cette articulation entre le microscopique et le macroscopique. Mais c'est ce que je vous dis. L'articulation. L'articulation, elle est que... Personne ne la fait, personne ne la domine, puisque personne... Personne ne la domine, personne. Elle est de l'ordre de la longue durée. C'est la temporalité à travers ce que vous dites. Exactement, c'est le fait que les agencements collectifs sont dans une relation, je dirais, de symétrie d'échelle entre un niveau moléculaire et puis un niveau fractal, mais tout à fait global. Un changement de technologie moléculaire peut se répercuter sur l'ensemble, par exemple, des médias. Le moindre découverte scientifique locale peut avoir un effet sur l'ensemble des phylums machiniques. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ça? Il y a symétrie d'échelle, aussi bien dans la subjectivité que dans la technologie. Ce qui m'intéresse, c'est le passage de l'échelle du micro à l'échelle du macro. Vous dites que ça peut se répercuter. Pour l'instant, vous ne m'expliquez pas du tout. Vous dites que ça peut se répercuter. Maintenant, ça se répercute. Ça se répercute. Alors, vous observez que ça se répercute. Oui. Alors, c'est comme ça. Ça se fait. Ça passe du... Alors, moi, on a le droit de penser, maintenant, au niveau du macroscopique. De penser au niveau du macroscopique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je m'interroge, au fond, sur les impasses de votre pensée. La crise écologique, elle est macroscopique, que je sache. Oui, alors justement, vous la pensez de façon macroscopique. Mais c'est pour ça que j'articule les trois niveaux. Le niveau macroscopique de l'environnement, le niveau intermédiaire du socius et le niveau moléculaire de l'écologie mentale. C'est ça que j'essaye de faire, comme je peux. Essayer d'accrocher ça, de voir s'il y a des transversalités, des lignes de passage entre ces niveaux. Moi, je ne vois pas la notion d'impasse comme Antoine Speer. C'est peut-être pour alléger un peu l'atmosphère, je dis ça. Mais j'aurais voulu... mais je ne la vois pas, parce qu'effectivement, votre mode de pensée me fait penser également à Michel Serres aujourd'hui, quand il parle de ces espèces de trafic à différents niveaux, des points de rencontre. Et, bien que je ne sois pas sensible à cette approche, je la comprends tout à fait. Et juste une question, vous avez abordé tout à l'heure le biologique. Et Michel Serres dit le biologique génère en quelque sorte les possibles. De quelle manière choisir? Parce qu'à un moment donné, il faut exercer des choix. Il y a des possibles que l'on admet et puis d'autres que l'on rejette au nom de valeurs, au nom de pratiques. Comment arriver à distinguer dans le possible un sens par rapport à un devenir, par rapport à l'histoire, par rapport même à la temporalité que l'on peut rendre possible? Comment choisir ces possibles? Comment choisir ces possibles? Ouais. C'est-à-dire que le processus du choix est dans le mouvement processuel lui-même. C'est-à-dire, ce sont les lignes les plus déterritorialisées, les lignes de transformation. Il y a on pourrait dire, une interception de la mutation subjective. Quand ça marche, par exemple, on pose quelquefois ça dans la relation analytique, mais comment on sait si ça marche ou si ça marche pas? Parce que je dis, ça ne peut que marcher, parce que si ça marche pas, on arrête. Enfin, mais on le sait, c'est du donné. On sait... aujourd'hui, où est la vérité en Chine? Ça se voit, ça saute au nez. Il y a une aperception de l'ordre de l'affect des valeurs historiques. On ne s'y trompe pas. Et pourtant, vous disiez en mai 68 que la vérité, vous saviez en quelque sorte, si je reprends un peu votre expression maintenant, où est la vérité, on a l'impression que ça a dégénéré, c'est-à-dire qu'on n'est pas resté fidèle à cette vérité. Ah oui. Voilà.
Tout à fait, oui. Donc on doit se contenter de constater ensuite, rétrospectivement. Non, je crois qu'on doit marcher à différents étages, parallèlement, et essayer d'assumer des contradictions de niveau. Par exemple, à la clinique de la Borde, il y a des contraintes de la sécurité sociale, des interdits sur la sexualité, etc., des disciplines de vie quotidienne pour, je sais pas, mettre la table, faire la vaisselle, etc. Bien. Et pourtant, on a affaire à des gens qui sont, par la nature de leurs troubles, amenés à échapper à ces types de contraintes. Eh bien, il faut trouver une démarche qui permette de faire tenir ensemble ces contradictoires. Quoi. Alors, l'exemple que je prends là, on pourrait le prendre à tous les autres niveaux. Par exemple, je trouve aujourd'hui que les socialistes français pourraient faire autre chose que ce qu'ils font. Et j'ai même la naïveté de penser que c'est peut-être même pas inutile de leur dire. Je pense que ça peut même être utile de dire, mais enfin, quelles que soient les contraintes économiques et les contraintes sociales dans lesquelles vous êtes pris vous-même, il est possible d'avoir un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'innovations dans toute une série de domaines, en particulier dans le domaine de l'éducation. Moi, j'aimerais bien avoir M. Jospin là en face et pour lui poser des questions à cet égard. Pourquoi est-ce que l'éducation sous le régime de M. Jospin est plus conservatrice que sous tous les autres régimes antérieurs? C'est quand même fort, ça. Et je crois que ça... Et pourquoi, à votre avis? Puisque vous n'avez pas Jospin en face de vous. Parce que Jospin fait de la politique dans le sens le plus traditionnel. Et ce qu'il veut, il veut pas de vagues, il veut pas d'ennuis. Même s'il comprend quelque chose, il fait le mort et il veut pas le savoir. À la différence d'un Savary qui au moins avait eu quelques velléités de travailler des lignes d'évolution. Permettez-moi une impertinence. Je reviens un petit peu à ma question morale du départ. Vous parlez de tous ces niveaux, de tous ces degrés, de toutes ces situations très diversifiées, quelquefois contradictoires, où se situent des parcelles de vérité. Mmh. Chacun les négocie à sa manière, selon son expérience et selon sa trajectoire individuelle. Mais au plan d'une vie sociale et d'une relation à l'autre, on est quand même obligé d'avoir, j'allais dire, un certain nombre de vérités communes. Alors je dirais, vous avez contesté tout à l'heure les traditions comme vérité commune, ou les morales, les principes, les préceptes moraux, où situer malgré tout une cohérence sociale, parce que nous ne sommes que des individus très fragiles, et on a besoin quand même d'une cohésion autour d'un certain nombre de principes clés. Alors où situer, si c'est possible, de situer cette espèce de cohésion de vérité dans un système comme le nôtre, qui respecterait malgré tout tous les attendus que vous avez développés? D'abord, moi je ne vois pas beaucoup la cohésion, à part une cohésion fictive sur le portrait du leader, l'image mass-médiatique de la vedette, du star system. Il n'y a jamais eu autant de déchirements dans l'ordre du rapport à l'autre dans sa différence, de montée du racisme, qu'on oublie toujours très rapidement. On dit, ah oui, mais Le Pen, c'est rien, ça va passer, ça n'existe pas, on ne veut pas le savoir. Bon. Or, cette montée du racisme, elle existe aussi à l'échelle planétaire, c'est-à-dire ce sont des centaines de millions de personnes qui crèvent littéralement de faim, de désespoir, qui sont rejetées au-delà même de ce qu'a pu être l'esclavage antique, qui au moins respectait d'une certaine façon ses esclaves. Il n'y a jamais eu autant de déchirements, autant de perte de cohérence, de perte de consistance. Une cohésion pourrait émerger à nouveau dans des phénomènes de libération sociale, mais avec le fait que, à nouveau, elle représenterait un danger. Si vous voulez, à la fois je souhaite, moi, que se mettent à exister des idéologies de référence, des mouvements collectifs d'action, tout en disant, mais attention, il faut en même temps qu'on les construit, les déterritorialiser ou les détotaliser, pour reprendre le terme de Sartre, par ces problématiques d'écologie individuelle, d'écologie sociale, etc. Alors, au niveau de chaque initiative, au niveau de chaque pratique, de petits groupes éventuellement, là vous avez des indications assez précises, et vous nous disiez tout à l'heure, au fond on sent que ça marche au niveau de la relation psychanalytique, c'est efficace, c'est quelque chose de presque de passionnel, c'est ce que j'ai cru comprendre dans ce que vous disiez tout à l'heure. Et puis j'ai lu aussi chez vous l'idée que quelquefois c'est beau aussi, et ça relève de l'esthétique.
et qu'au fond, ça marche aussi parce que c'est beau. Alors, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs concepts du beau et plusieurs concepts de l'art chez vous? D'abord, un art en face duquel il faudrait tomber à genoux et que vous rejetez, bien sûr, qui est le beau en général, mais plutôt un art qui colle, une perception esthétique agréable. Et là, j'en viens, prenons un exemple très concret. Qui décolle, en l'occurrence, si je me fie aux références qui sont dans les livres de Guattari. Et là, justement, plutôt un art dans le... Justement, dans le disharmonique, un art qui laisse place à la faille, au silence, au blanc. D'où votre lecture étrange, par exemple, prenons cet exemple de Kafka. Étrange lecture de Kafka, puisque c'est la première fois qu'on qualifie de Kafka, au fond, d'expérimentation en littérature, ou la lecture de Kafka comme une expérimentation en littérature. Alors, ça signifie quoi exactement? Ça signifie sortir Kafka de son statut de monstre sacré pour avoir quelque chose qui est une occasion, une incitation au déplacement, une incitation à la réflexion bougée, une incitation au mouvement idéologique, une incitation au mouvement littéraire chez celui qui le lit. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous nous reprochiez de ne pas respecter les auteurs philosophiques. Eh bien, des auteurs comme Kafka ou Proust ou d'autres, ou Beckett, sont pour nous comme des références philosophiques de base. Kafka, c'est heurter, des particules dans un accélérateur de particules, c'est heurter contre des mutations subjectives de son époque avec une violence extraordinaire, d'où le caractère fragmentaire de toute son œuvre, le caractère non fini. Il a pratiquement fini une ou deux nouvelles, mais tout le reste était un chantier permanent, une remise en question complète, sans compter tout ce qu'il a détruit malheureusement. Alors, quand on est devant un phénomène comme ça, on se met à déchiffrer analytiquement la subjectivité qui allait, qui était en train d'être celle du nazisme, du stalinisme, etc. L'éros bureaucratique découverte, explorée par Kafka, et en même temps les contradictions insoutenables de son rapport à la normalité. Le fait qu'il voulait se marier, qu'il voulait être père de famille, qu'il aimait son père, etc. Et qu'en même temps, c'était quelque chose qui lui sautait, qui lui glissait littéralement des mains. Kafka est un véritable analyste de déformation de la conscience, c'est-à-dire déformation de la subjectivité en train de se faire, en train d'être là. Vous êtes en train de dire qu'il est en déplacement involontaire par rapport à la norme? Oui. Involontaire, oui, sûrement. Oui, puisqu'il aurait voulu certainement... S'il était guattariste, il devrait être en déplacement volontaire par rapport à la norme, s'il avait été guattariste. Ben, il l'a été parce que il y a tout un aspect de Kafka méconnu. Il y a tout un aspect de Kafka qui s'intéressait beaucoup à la vie sociale, qui était passionné, par exemple, par les problèmes, disons, de la sécurité sociale de l'époque, puisque c'était un haut fonctionnaire de la sécurité sociale. Enfin, ça s'appelait pas comme ça. Et puis, il était passionné par ce qui se passait dans des groupes anards, qu'elle y participait. Il y a toute une vie secrète de Kafka qu'on appréhende un peu, que Claude Wagenbach, sur lequel nous a donné un éclairage. Lorsque vous prenez Kafka, vous le prenez avec sa tradition, c'est pour vous un auteur qui est porté par une tradition, ou bien il apparaît uniquement au moment où son œuvre est écrite? Oh ben, c'est les deux. Il est porté par une tradition parce qu'il a un certain idéal, une certaine représentation de la littérature classique, de la grande littérature romanesque. Il veut faire un roman comme Dickens, par exemple, avec l'Amérique. Mais en même temps, les objets auxquels il s'adresse, lui, sautent des mains, c'est-à-dire se mettent à exister à leur propre compte. Comme on voit partout dans Kafka, brusquement, il y a quelque chose qui se met à travailler et à proliférer. Et il n'a plus qu'à suivre. Il est entraîné par cette proto-subjectivité qu'il rencontre, qui se met à proliférer un peu comme dans une voie psychotique, quoi. Non, parce que je posais cette question, on a parlé, j'allais dire, du côté relatif de tout ce qui était un peu symbolique dans un système social, mais est-ce que la création artistique a une valeur, j'allais dire, transcendante pour vous? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est représentante de quelque chose d'essentiel qui transcende un peu l'historique ou l'immédiat? C'est-à-dire que les artistes sont des mutants dans des conditions très difficiles pour muter.
dans des conditions de contrôle par les images dominantes, par les médias, par le système des galeries, par exemple, dans le domaine de la musique, c'est pas les conservatoires, mais c'est les champs de consommation musicaux. Alors, ceci dit, ce sont des gens qui ont le courage de jouer leur existence sur un processus de singularité. Et c'est en cela qu'ils nous offrent un paradigme qui est intéressant. Il y a toujours cette idée que, au fond, à l'horizon absolument utopique de l'histoire, il y aurait la possibilité de construire son existence comme un artiste conduit son œuvre. Voilà. Non, je remercie de cette réponse, mais c'était peut-être la notion de transtemporalité, j'allais dire, de l'œuvre d'art. C'est-à-dire, pour ne pas parler effectivement de transcendance, est-ce que, par rapport à votre schéma, à votre système de représentation, on ne pourrait pas dire que la création artistique serait transtemporelle? Elle aurait... Ça, oui, j'accepte tout à fait. Tout ce qui est trans, moi, ça me va. Tout ce qui est transversalité, etc. Sauf transcendance, effectivement, c'est un peu limite. Donc, une vie aboutie, pour vous, doit être un chef-d'œuvre? Un chef-d'œuvre? Ah non, parce qu'un chef-d'œuvre... C'est achevé, et c'est en comparaison avec d'autres. Il y a une évaluation transcendante, à ce moment-là, sur un chef-d'œuvre. Non, mais une œuvre ouverte, une œuvre processuelle, quelque chose d'unique, en un sens. Et dans ce sens-là, l'œuvre de Kafka est ouverte? Oui. C'est l'œuvre ouverte par excellence, oui. Dans la mesure où, alors, il y aurait beaucoup à travailler sur Kafka. Sans arrêt, de nouvelles significations à produire. Exactement. Jusqu'à ce que ça s'éteigne. Peut-être un jour, Kafka s'éteindra, mais je crois qu'il y a encore de quoi faire. Mais est-ce qu'à vos yeux, ça veut dire qu'une politique accomplie dans son processus, ça doit devenir une esthétique? Si on disait ça, on mettrait les deux registres sous celui de la perversion, quoi, de la perversité. Or, c'est pas tellement de duplicité qu'il s'agit, mais de multiplicité. C'est-à-dire, je pense que une politique aujourd'hui ne peut être que multiplice, ou même vulgairement, méchamment, duplice. Tant qu'à faire d'être dans ce registre de la multiplicité, autant l'être avec lumière, avec lucidité, avec des concepts, plutôt que de l'être de façon sournoise et dire « Ah, mais bien sûr qu'on est d'accord avec vous, on voudrait bien, mon cher monsieur, changer tout ça, et l'école, et la psychiatrie, etc. Mais on ne peut pas, il faut attendre pour l'instant, il faut que, etc. » Non. Je pense que les rapports au pouvoir, qu'il s'agisse du pouvoir d'État ou du pouvoir dans une institution ou du pouvoir paternel, sont nécessairement multiplices, engagent des niveaux contradictoires, hétérogènes de la subjectivité, et qu'il n'y a pas de réponse univoque qui peut être apportée. Et que de même que dans la poésie, il y a une multiplicité de significations qui est produite, et bien de même, dans les rapports de pouvoir, il y a cette nécessité d'assumer la complexité de la subjectivité aujourd'hui, c'est-à-dire cette stratification de niveaux d'agencement d'énonciation antagonistes, contradictoires. Philippe Gonnary, donc merci. Je voudrais rappeler donc ce qu'on peut lire. D'abord, donc, votre dernier livre, c'est Cartographie schizoanalytique, c'est chez Galilée. Et puis, alors, les deux livres sur lesquels nous nous sommes appuyés, que vous avez écrits en collaboration avec Deleuze, hein, aussi d'ailleurs sur Kafka, ça en fait trois au moins, L'Anti-Oedipe, Les Mille Plateaux, tout ça c'est aux éditions de Minuit. Ce livre sur Kafka qui s'appelait... Kafka pour une littérature mineure. Voilà, Kafka pour une littérature mineure. Et puis, alors, des livres que vous avez produits plus récemment, Félix Guattari, donc Les années d'hiver, dont on a parlé, c'est-à-dire ces années d'obscurité, 80-85, chez Bernard Barrault. Et puis, La révolution moléculaire, on a parlé pas mal un petit peu de la révolution moléculaire, c'est paru maintenant en 10-18. C'est plus ancien, mais c'est un livre qui nous met bien au cœur de votre pensée, me semble-t-il, donc chez 10-18. Et puis, Les trois écologies, qui vient de paraître aux éditions Galilée. Félix Guattari, merci.